Eh bien salut les amis, c'est Kermado et aujourd'hui on se retrouve dans un épisode dans lequel je ne vais pas vous expliquer comment devenir ami avec un yokai, ni deux, ni même cinq, mais plutôt six yokai. C'est bien ça, hein? Oui. Et donc, eh bien c'est des yokai plutôt intéressants, moi je les trouve plutôt cool. Vous allez me dire, oui mais c'est pas très original parce qu'il y avait déjà Robonian. Bon d'accord, moi j'aime bien, je vous aime pas tous, mais il y en a quelques-uns que j'aime bien dedans. Surtout l'un d'entre eux, mais vous verrez ça dans l'épisode. Vous n'hésitez pas à dire dans les commentaires au fil de la vidéo lequel est votre préféré. Dans tous les cas, nous, eh bien on va y aller, mais juste avant, il va falloir quand même acheter pas mal de trucs parce qu'ils ont des nourritures préférées qui sont pas extrêmement faciles à trouver. Enfin, elles sont pas difficiles à trouver, vous allez dire, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller dans un endroit spécifique. Et donc voilà, on va faire ça ensemble. Donc prenez votre 3DS si vous êtes prêts aussi. Donc il va falloir commencer par acheter des sushis. Alors, on m'a dit que c'était ici, qu'il y avait un restaurant de sushis, c'est ici. Là, j'ai l'impression que c'est ici parce qu'il y a un restaurant japonais, donc il va falloir acheter le sushi le plus cher. Bien entendu, hein, comme d'habitude. Pas besoin d'en acheter 3000, puisque vous savez que de toute façon, il a une coupe de sushi, le mec. Attendez, par contre, je vois pas son dialogue. Bienvenue, bienvenue, venez voir nos marchandises. Mais il a vraiment un sushi sur la tête, d'accord. Enfin, sa tête est un sushi, en fait. Donc, on va prendre du sushi au thon rouge. Les amis, vous n'avez pas besoin d'en acheter plein. Simplement parce que, vous savez, vous souvenez, vous devez sauvegarder juste devant le yokai. Sauvegarder, essayer de le combattre, et si ça rate, vous recommencez. Donc moi je vais en acheter, on va dire 5, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il va y avoir d'autres yokai qui en auront besoin dans la suite. À mon avis, c'est pas le seul yokai qui aime les sushis. Alors, sauf que l'un d'entre eux aime les sushis. D'accord, les amis, on est d'accord. Mais c'est pas tout en fait. Il va y avoir après d'autres yokai qui aiment d'autres trucs. Alors par contre, je sais pas où on achète le reste. Et j'ai bien fait de ne pas partir parce que le premier. Parce que la seconde nourriture qu'on doit acheter se trouve ici. C'est au restaurant chinois, c'est ça? On aurait dit un restaurant chinois. Eh bien oui, d'accord. Donc pareil, vous achetez la nourriture la plus chère, hein, ça ne change pas. Donc on va acheter des crevettes au piment. Je vais en acheter encore une fois 5, comme je vous dis. On sait jamais, plus tard il y aura peut-être besoin de nouveau de ces trucs là. Ensuite, donc par contre là j'ai pas l'impression qu'il y ait de télémire dans le coin, c'est un peu dommage. Ça veut dire qu'on va devoir utiliser notre vélo, bon c'est pas grave. J'ai vu qu'on pouvait pas utiliser notre vélo dans l'allée alors que pourtant il y avait des vélos de garés au départ. Hein. Donc ouais, je retiens. Alors il faut aller au centre-ville de Grandval, là il y a un magasin de tuerie. Mince. Pour le moment on a deux des nourritures sur les trois, sur les six dont on va avoir besoin. Donc on a deux. Là on va chercher la troisième. Bah même la quatrième en fait, parce qu'il y a aussi le restaurant de burger ici. Alors où est le... Attendez, il est où le restaurant de tuerie? Il est là, non? Non, il est pas là. Il est là, ok, d'accord. Curry gourmand. Il est pas affiché sur la map, c'est super bizarre ça. Bonjour, monsieur. Namasté. Envie d'un délicieux curry. Oh, ça me donne super faim parce que j'adore ça, le curry indien. Mais s'ils disent namasté, voilà, c'est indien, je sais. Par contre, curry de poulet, curry d'agneau, curry de la mer, curry du chef, eh bien, ça tombe bien, il n'y a rien que je peux manger. Moi, je mange ni de viande, ni de fruits de mer, donc comme ça, super. À la limite, je pourrais manger au tofu, mais ils en ont pas. Alors là, je sais pas pourquoi je faisais demi-tour et demi-tour et re-demi-tour. Donc on va aller au restaurant de burgers, parce que l'un d'entre eux aime aussi les burgers. Donc, bonjour madame, allez, que puis-je pour toi, on s'en moque. Et donc on va acheter Burger Miam, encore une fois, j'en achète 5. Et alors, quels sont les derniers trucs qu'il faut que j'achète, je sais plus. Attendez, donc il faut que j'achète... Passez une bonne journée, ok, d'accord, merci. Ah oui, il faut que j'aille acheter. Attendez, il n'y avait pas de télémire? Non, j'ai pas vu. Il faut que j'aille acheter donc au Coloquinte. Ça s'appelle comme ça ce quartier? Je sais plus. Le quartier riche là-bas. Il faut que j'aille acheter des boules de riz. Donc ces boules de riz, on les trouve au tout pour tout. Mais cette boule de riz en particulier, on la trouve que au tout pour tout de cette zone-là. Donc n'allez pas chercher dans tous les tout pour tout. Bon, peut-être qu'on peut la trouver dans d'autres tout pour tout, mais en tout cas, vous pouvez pas la trouver dans le tout pour tout de Grandval-sur-Mer, par exemple. Enfin, le tout pour tout de base. Alors là, je sais pas trop... Ok, d'accord, vous pouvez passer par là, ok. J'ai vu qu'il y avait le Troc Safari. Super. Parce que le Troc Safari, je savais pas où il était. Maintenant, il est là. Parce qu'il me semble qu'il était pas là dans le Kawash 1, le Troc Safari. Hein. J'y mettrai pas ma main à couper, mais je crois qu'il y était pas. Donc alors, on va aller... au tout pour tout ici. Allez, mince, c'est pour acheter la boule de riz la plus chère, hein, les amis. Donc si vous l'avez déjà, bah continuez la vidéo, passez tout ça, vous en moquez. Ok, tout pour tout est ici, voilà. Alors bonjour monsieur, achetez. Et donc il nous faut, voilà, la boule de riz à la crevette. Parfait. 30 euros, ouais, bah, ça fait un peu cher, mais bon, tant pis.
Allez. Et donc maintenant, il faut aller à Ourcival. Alors, on n'a pas le choix. Il faut se téléporter à Ourcival parce qu'il va falloir acheter du lait. Et d'après ce que j'ai lu sur internet, le lait ne peut s'acheter que là-bas. Donc, Ourcival, c'est... Bon, allez, là, je crois qu'on est au plus près du magasin, donc allons-y. Puis après, bien entendu, va falloir revenir au bureau de poste parce qu'il va falloir scanner tous les QR codes. Il y en a 6. Et après, va falloir faire le plus long, aller chercher les yokai. Et les yokai, ça va pas être simple parce qu'en fait, je vais vous spoiler dès maintenant. Ils sont sur les arrêts de train. Donc ça veut dire qu'il va falloir avancer sur les arrêts de train, s'arrêter sur certains d'entre eux. Et bon, ça va être une sacrée galère, hein, vous vous en doutez. Donc, ah, c'est que du lait normal. On n'a pas du meilleur lait. Ouais, tant pis. Ouais, ça va être chaud parce que je crois que le meilleur lait, il est plus difficile à trouver. Oui. Non. Parce que dans le 1, le lait, il était dans le passé. Enfin, dans le passé, mais il était durant la fête, là. La fête de l'été. Excusez-moi, les amis, là, je sais pas du tout où il est parce qu'on peut toujours aller à la fête de l'été. Peut-être que oui, mais en tout cas, moi, je ne peux pas y aller pour le moment. Bon, tant pis. Si vous avez le meilleur lait, bah, garde-le pour maintenant. Moi, je vais changer un truc dans mon équipe quand même, parce que je vais mettre Pitou en avant. Pas que j'ai vraiment envie d'avoir Pitou dans mon équipe, mais que j'ai envie d'avoir un yokai sympathique, ce serait quand même pas mal. Donc, placer, et on va le mettre à la place de... On va le mettre à la place de Jibakoma. Ok, ouais, on va le mettre à la place de Jibakoma, comme ça, il sera en arrière-plan. Ne vous en faites pas, je remettrai Jibakoma dans mon équipe, là, c'est juste vraiment pour cette période, quoi. Allez. Oh, il y a mon vélo qui passe au travers de Télémia. Allez, donc on y va. Bureau de poste ou banque? Ah, je sais jamais. Je crois que c'est bureau de poste. Ah, je crois que c'est le bureau de poste pour les QR codes. Donc on y va. Ok. Et donc, eh bien, voilà, on va utiliser les QR codes. Allez, madame, c'est vous? Ah non, c'est les codes de téléchargement en bas. Donc ça veut dire que je me suis encore trompé. D'accord, félicitations, Chirmendo. Toujours. Donc, allez, utilise Télémir pour te téléporter et on va aller à la banque. Parfait. Là, c'est le bon endroit. Non, mais c'est... Je sais pas pourquoi ils ont pas mis les deux trucs dans le même endroit, quand même. Ça aurait été un peu logique, mais bon, pourquoi pas. Allez. Alors, je vais vous afficher les QR codes, bien entendu, au fur et à mesure. Donc, voilà, le premier QR code. Parfait. Et on a un rouage de Dracounet. Ok. Parfait, donc on va pas sauvegarder. Allez, j'ai d'autres QR codes, madame, ne te sauve pas. Donc ensuite, on va aller. Voilà. Et c'est. Rouage de Cornio. Je ne veux pas sauvegarder, madame, c'est inutile de me le demander à chaque fois, je ne veux pas. Donc maintenant. Ok, voilà, ça a scanné. Donc n'hésitez pas vous aussi à faire pause et à scanner votre 3DS, hein. Rouage de cap à cap, enfin scanner avec votre 3DS, parce que vous pouvez tout à fait avoir ces yokai. Que votre version du jeu soit américaine ou française, vous pouvez. Je crois que ça marche pas avec les versions japonaises, quoique peut-être que si. Mais en tout cas, ça marche avec les françaises et les américaines. Et ça marche autant avec Phantom Buffy, donc Rouage de Noko, avec Phantom Buffy qu'avec Esprit Farceur. Donc pas de soucis les amis, si vous avez l'une ou l'autre version, vous pouvez quand même le faire. Alors, maintenant... Ok, voilà. Et donc, rouage de grand papéti. Et pour finir, on va pas sauvegarder, toujours pas, hein, pas la peine de le demander. Pour finir, on va faire... Mince, non, j'ai déjà lu ce yokai. Enfin, j'ai déjà lu ce QR code. Allez, c'est reparti. Et donc, voilà, parfait. Et on a maintenant Rouage de Komasan. Bon, je pense que vous avez à peu près deviné quel yokai c'était. De toute façon, c'est marqué dans le titre de la vidéo. Donc, je sais pas pourquoi je fais encore de faux suspense. Et donc, les amis, c'est parti. Je vais sauvegarder. Voilà. Faites la même chose que moi. Ensuite, on va se téléporter à la gare. Ok, Télémir, merci. Voilà, on se téléporte. Donc, à la gare. À quelle gare on va aller? On va aller à la gare normale. Hein. Allez, on va aller à la gare centrale de Grandval. Et donc là, heureusement qu'on a des passes... pour toute la journée, parce qu'il va falloir aller vraiment de station en station, et donc ça va prendre un sacré bout de temps. Donc, allez, ok, il faut un titre valide, oui, c'est bon, il faut l'acheter, 3€. J'ai quand même dépensé beaucoup d'argent dans cette vidéo, hein, il faut le dire. Et donc, voilà, les amis, c'est parti, on se retrouve, eh bien, sur le premier yokai.
Et bien voilà les amis, donc nous sommes à la première station qui s'appelle voilà, Colline de l'Alouette. Alors je sais pas si vous aussi vous aurez le même problème, mais à chaque fois moi j'appuie sur B ou A. Et donc ça fait qu'en fait je valide non au lieu de valider oui. Et donc le train ne s'arrête pas et donc il m'envoie, enfin il m'emmène, voilà. Donc c'est la seule explication pourquoi il y a autant de stations dans ce Yokai Watch, pour justement y mettre ces yokai. Donc voilà, ici le tout premier on peut sauvegarder hein. Ouais, on peut sauvegarder, d'accord, j'ai eu peur, hein, parce que je me suis dit, si on pouvait pas sauvegarder, c'est quand même la galère à chaque fois de retourner au centre. Bref, et donc, premier yokai avec lequel on va devenir ami, c'est lui. J'ai fini en droit qui... J'ai curieux bouillon. Tu veux te battre? Eh bien oui, on va se battre. Alors, battons-nous. Donc n'oubliez pas les amis, hein, il faut sauvegarder avant de commencer le combat, parce que vous ne pouvez les combattre qu'une seule fois par jour, hein, c'est très important. Alors là voilà, le petit Jibakoma. Personnellement je suis ultra fan de Jibakoma, hein. C'est pas lui mon préféré. Je préfère Koma-san d'ailleurs en mode ordinaire que Jibakoma, mais bon, pas grave. Alors, donc il fait pas beaucoup de dégâts, ça va aller je pense. Il faut juste attendre qu'il y ait... enfin qu'il flamme déjà. Il faut attendre qu'il flamme, il faut attendre qu'il y ait la bulle qui arrive, ce serait bien. Donc je vous souhaite bonne chance à vous aussi, parce que là c'est 6 yokai, ça va pas forcément être très facile, ça va peut-être prendre du temps de devenir ami avec eux. Mais bon, souhaitez-moi bonne chance, laissez-moi des coups de bleu pour me porter chance, moi je vous souhaite bonne chance aussi. Alors, allez, on va aller plus vite là, parce que il serait temps qu'il flâne à un moment s'il vous plaît. Voilà, il a été envoûté, c'est pareil. Donc c'est, voilà, l'amitié. Donc j'ai malheureusement pas le lait le plus cher. Donc c'est dommage parce que ça va pas simplifier pour devenir ami avec lui, mais bon. Il faut savoir aussi que... Eh bien, Koma-san, normalement, sa nourriture préférée, c'est pas le lait. C'était le lait dans Yokai Watch 1, c'est le lait dans Yokai Watch 2, mais en fait, j'étais perturbé parce que depuis Wibble Wobble, et je suis pas sûr. Waouh! Ok, d'accord. Donc, je suis pas sûr, mais certainement aussi Yokai Watch 3. Et Koma-san, c'est pas le lait sa nourriture préférée. Sa nourriture préférée, c'est la glace. Et vous le savez, hein, je pense que si vous avez regardé le dessin animé, vous savez que Koma-san, ce qu'il préfère, c'est la glace. Mais bon. C'est pas grave. En tout cas, nous on a toujours pas de bulle, c'est un peu dommage ça. Je sais pas pourquoi ils en envoient pas. Ah là voilà, attendez. Allez. Allez. Ah mince, c'est que ça. Dommage, dommage, dommage. Bon, allez, nous maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Allez-y, vous pouvez l'avoir en peu de temps, je pense. En plus, il est cramé là, le pauvre Robokoma. Allez, non, toujours pas. Ouais, prochain coup, il est mort. Je brille. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça l'a renforcé, ok. Salut. Bon, il a pris juste 16 points de dégâts et ça suffisait à l'avoir. Allez les amis, on croise les doigts. Même si j'y crois pas, hein, du premier coup, j'y crois pas beaucoup. Mais bon, sait-on jamais, hein. Allez. Eh bien non. Eh bien non. C'est curieux, bouillon, fort, épuisé. Épuisé. Eh bien voilà, donc les amis, vous savez ce qu'il faut faire. Vous quittez. Et vous revenez. Eh bien enfin, wow les amis, ça m'aura pris une dizaine d'essais. Alors j'ai vu que dans mon inventaire, j'avais un lait merveilleux. Et heureusement, parce que il est très difficile de devenir ami avec lui. Je sais pas si c'est moi qui ai pas eu de chance, ou en tout cas dites dans les commentaires si vous vous y êtes tombé du premier coup, bravo à vous. Mais ouais, alors, c'est pas facile. Donc Robokoma, allez. Il y a plus de choses ici que dans le futur, je veux en voir plus. Ah parce qu'en fait il vient du futur, mais comment il peut y avoir plus de choses ici que dans le futur, sérieusement? Ok, en fait c'est la même voix que Koma-san normal, sauf que elle est genre en mode déglingué quoi. Oh, mais ils sont là tous les nouveaux yokai. Bref, j'en sais rien, on va voir ça ensemble. Enfin, j'ai quand même envie de voir pourquoi j'ai tellement de nouveaux là. Oui, alors il est épuisé, on sait. Ah oui, il y a plusieurs choses en fait que je veux voir avant qu'on aille à la suite. Déjà, bah le médalium là, c'est quoi toutes ces pages bizarres là avec plein de nouveaux qui... Mais attendez, mais pourquoi j'ai plein de nouveaux partout là? Il y a un truc étrange. Bref, c'est quoi tout ça? Ah, c'est tous les perfides, d'accord, ok. C'est tous les perfides qui se sont ajoutés dans la page, d'accord, ok. Pas important. Donc, j'ai récupéré un objet dans le combat. Je l'ai eu dans une bulle. Et je voudrais voir un peu ce que c'est, parce que ça me paraît assez bizarre. J'en ai jamais entendu parler. C'est, voyons voir, où est-il? Où est-elle? Parce que c'est une pile. Donc, où est-elle? C'est un objet d'équipement. Ouais, c'est ça. Les yokai robots fonctionneront mieux avec cette boisson. Waouh! Ça augmente la défense et la vitesse au yokai robot, mais c'est pas mal. Ça peut vouloir le coup finalement de mettre un yokai robot dans l'équipe. Bon, en tout cas, nous les amis, on va aller à la suite au yokai suivant, qui est en fait juste à la station d'après, qui s'appelle comment? Attendez, je vois rien. Bah ok, d'accord, je vois rien. Et ça a disparu. Donc.
Ouais, on sait, on a choisi la ligne océan. Oui, bon, j'ai pas fait mes devoirs de vacances. Allez, c'est bon. On s'en moque de ce qu'il nous dit, c'est pas très important. Hein. Donc voilà, c'est rue de la Brindille. Donc ne matraquez pas le bouton A, puisque par défaut, c'est sur non. Voilà, regardez. Voilà, c'est par défaut sur non, donc faut surtout pas faire non, parce que sinon après, ils vont nous refaire la cinématique, aller à la gare de Grandval, puis après il va falloir reprendre dans le sens, donc on va avoir une cinématique. Ça commence à suffire, hein. Ça suffit, c'en est assez. Bon. Donc il est là-bas, les amis. Je n'ai pas oublié, hein, pas la peine de me le dire dans les commentaires. Voilà, donc c'est Robocapa. Donc, on enregistre. Avant de lui parler, c'est très important les amis, n'oubliez jamais ça, parce que j'ai vu dans les commentaires de l'autre vidéo que certains m'ont dit « mais tu me l'as dit trop tard !» Mais bon, je l'ai pas dit trop tard, je l'ai dit dans chacune de mes vidéos. Mais bon, je le répète et le répète au cas où. Hein. C'est le moment de vérité, tu veux qu'on se batte? Eh bien allons-y, on va se battre contre lui. Alors je ne sais pas quelle est sa nourriture préférée, mais on va voir, hein, ça va nous le dire avec la cible, comme toujours. Ah non, je vais pas mettre Pitou d'abord, bah Pitou est déjà mort, ok. Non, il est pas mort, ok, donc il aime les sushis. Donc les amis, j'ai acheté du sushi thon rouge. Sushi thon rouge, j'ai mâché mes mots. Et c'est sa nourriture préférée, tellement bon. Bon, alors les amis, je vous souhaite bonne chance, je me souhaite bonne chance. Non mais c'est pas facile de devenir ami avec ces yokai. Je me demande quand on a la nourriture préférée, plus un yokai sympathique dans notre équipe, plus qu'on le taquine, de combien devient le pourcentage de chance? J'en sais rien, mais j'ai l'impression que ça reste jamais beaucoup. Dans ma tête, ça devrait passer à 50%, mais en fait, non, j'ai l'impression que ça reste à des trucs genre 5%, 10%, des trucs comme ça, quoi. Pas plus. Ok, bon, c'est pas le cœur. Par contre, il va jamais flâner. Hein. Avec moi, il flâne quasiment jamais. Et ils sont jamais emboutés, là. Moi... Ah, il flâne. Attendez. Non! Non! Ah, Robonian, il m'énerve, il est trop fort. Je devrais peut-être mettre Trip-Tic-Tac à la place de Robonian. Bref. En tout cas, les amis, on croise les doigts, et... Eh bien non, hein, c'était attendu. Bip, état de l'assiette, alarmant, entretien en cours. Bon, allez, les amis, on quitte et on y retourne. Wow, les amis, deuxième essai, il me rejoint. J'en revenais pas, j'étais en mode, bon, bah, on va réessayer, mais non. Parce que j'ai réussi à le taquiner, mais j'ai pas eu la bulle, par contre. Robocap, t'approches. Tu as de la force, ma plaque crânienne fait une réaction. On est bien liés en nous d'amitié, et... Ah, c'est toi, mec. Ok, d'accord. Bah, j'allais dire que Robocap, c'était l'un de mes préférés parmi tous les robots, mais vu ce qu'il a dit, j'en suis plus tout à fait sûr. Non, mais je l'aime bien. J'aime bien son bleu pétant, là. Sa couleur bleu pétant, je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve qu'il est assez stylé, ce yokai. Bon, allez, on sait que l'état est alarmant, bref. Eh bien, écoutez, les amis, donc moi, je vais revenir à la gare centrale de Grandval, parce que la suite, eh ben, c'est genre au pré-au-son, je crois. Bah, je crois que c'est au pré-au-songe, en tout cas c'est par là-bas, donc ça va prendre du temps d'y aller. Eh bien les amis, on arrive, donc en fait c'était pas pré-au-songe, c'est Point-Crête. J'allais dire Point-7, mais ouais, donc c'est Point-Crête. C'est le nom de la station dans laquelle il faut s'arrêter. Alors c'est une station couverte, j'ai l'impression, elle est pas aussi jolie que la station d'avant, hein, parce que pré-au-songe c'était pas mal, il y avait genre une statue de Bouddha gigantesque et tout, je trouve super jolie. Et donc voilà, lui il est trop mignon aussi, je l'aime beaucoup. Donc on va commencer par sauvegarder. Ok. Et alors, bonjour. Bonjour, sache que je ne suis pas dracooné, je suis un robot dracooné. Je suis prêt au combat, et toi? Eh bien oui, allez, on est prêt au combat. Affirmatif, allez, et si on se combattait un peu? N'oubliez pas, hein, je le redis et le répète, et le répétera encore, n'oubliez pas de se regarder avant, hein, c'est très important. Donc quelle est sa nourriture préférée? Je sais déjà plus. Il aime les spécialités chinoises, d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai acheté, eh bien, les crevettes au piment. Allez, c'est pour toi, fais-toi plaisir, petit. Donc il est en train de flâner ou quoi là? Bon, il est pas en train de flâner, ok, j'ai cru, mais non. Donc voyons voir. Donc on va attendre que le combat se passe tranquillement, parce qu'il faut qu'on attrape la bulle et qu'on attende qu'il flâne, s'il pouvait flâner un moment, mais ça, je ne sais pas. Allez, donc en fait la boule qu'il a sur la tête maintenant, c'est plus une boule, c'est genre une ampoule, c'est ça? On dirait. Allez, il est stylé ce Kai, je l'aime bien. Je sais pas si je mettrais un robot dans mon équipe. Ça dépend surtout en fait de quelle tribu sont les robots. Parce que j'aimerais bien avoir beaucoup de mignons et à mon avis ça doit être des costauds, non? Je sais pas, on verra. Ça m'étonnerait pas que ce soit des costauds. Allez. Y'a rien du tout. Y'a pas de bulle. Il flâne pas. Même pas ce Kai là. Robot Draku. Allez. Ils y ont même refait la. Oh mince. Alors là, il y a les deux à la fin, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ah, c'est arrivé au pire moment, quoi.
En tout cas, ils l'ont bien fait parce qu'ils lui ont fait même la goutte qui pendait du nez, là, au robot. Ce qui n'est pas très logique, hein, un robot, ça peut pas avoir de la morphe qui coule du nez, mais bon, pourquoi pas. Alors... Eh bien non, oh, c'était sûr, hein, c'était certain. C'était... Bip. Désolé, j'ai dû subir des dégâts. Bip, majeur. Je dois me faire réparer. Ok, bien les amis, on quitte et on réessaye. Et oui, enfin. Bon, ouf. Robot Draco t'approche. Je suis un robot, soyons amis. Oui, donc lion d'amitié et écoutons. Robot Draco, cracheur de fer. Cracheur de fer, d'accord, d'accord. Bon, ça dépend, hein, si le fer il est fondu et brûlant, ça doit faire très très mal. Mais sinon, si c'est juste des morceaux, bon, ça, le feu c'est quand même pire. Bon, bref, en tout cas, je suis bien content de devenir ami avec lui. Heureusement que c'était ce combat-là, parce que il y a eu d'autres combats où genre Célornienne était morte et tout. Enfin, c'était assez catastrophique, donc là c'est bon. Donc il faut prendre encore une fois le train vers San Fantastico, parce que le prochain yokai, il est à la station d'après, qui est la Crique. Et nous voilà arrivés à la Crique. Alors je sais pas si c'est une coïncidence ou quoi, mais j'ai l'impression qu'à la Crique il pleut tout le temps, hein. À chaque fois que j'y suis passé, il pleuvait. Et le yokai est ici, voilà, donc on sauvegarde. Alors je sais pas comment il va s'appeler lui. Il va s'appeler Robot Cornio. Ou bah oui, tout simplement, pourquoi je me prends la tête. Ça doit être ça, Robot Cornio. Et bah oui, voilà. Bip bop, salutations être humain. Mise à jour du système terminée. Démarrage du mode canin en mode humain ou du mode... Démarrage du mode canin, du mode humain ou du mode combat. Démarrer le mode combat. Allez, on va démarrer le mode combat. Bip bop, ok. Lancement du mode combat. J'aime bien ses lunettes. Bon, et on va dire il est quand même plus joli que Cornio de base. Hein. Il est plus joli que le vrai Cornio. Hein. C'était pas très difficile en même temps, vous allez me dire. Bon, qu'est-ce qu'il aime alors? C'est lui qui aime le curry. Faudra m'expliquer comment les robots ils font pour manger, hein, quand même, un jour. Bon. Je ne sais pas, hein, je me demande, je me pose juste la question, hein, tranquillement, innocemment. Allez, donc, est-ce que vous pourriez l'envoûter ou est-ce qu'il pourrait se mettre à flâner? Qu'est-ce qu'il va avoir comme particularité ce Kai? Ok, il fait quand même pas mal de dégâts, hein. Bon, mais il a pas l'air d'avoir énorme défense parce que Robonian F lui fait aussi beaucoup de dégâts. Enfin, mais par contre, arrête d'attaquer Célornian, s'il te plaît. Hein. Attaque un peu Robonian F. Allez, vas-y, attaque-le. Normalement, il attaque ceux qui font leurs âmes ultimes, non? La plupart des yokai font ça, hein. Ok, il est en garde. Je veux pas que tu es en garde, je veux que tu flânes. Bon, ok, tant pis, il a pas l'air de vouloir passer en... Ah non, il va bientôt mourir, et il a toujours pas flâné. Et j'ai toujours pas la bulle. À mon avis, ce sera pas au premier combat qu'on deviendra ami avec lui, hein. Quoique, depuis le début de cette vidéo, on n'est jamais devenu ami du premier coup, donc... ce serait bien que ça arrive à un moment. Non, mais le tuez pas, hein, le tuez pas tout de suite. Ok, non, 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 j'ai peur. Ok, il va mourir là. Eh bien voilà, mince. Bon, je vais quand même donner sa nourriture préférée, donc on va dire, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que ça suffira? En plus, j'ai un yokai sympathique, hein. Qu'il est pas mort. Ouais, je le voyais plus là, je trouvais plus du tout sur l'écran, j'ai eu peur. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien non, c'est pas grave. Bébé. Suis-je un chien? Suis-je un homme? Suis-je un yokai? Bébé, je ne le sais point. C'est vrai qu'il doit être plutôt confus quand même à pas savoir s'il est un chien, un homme ou un robot. Et bien voilà, deuxième essai. La bulle dorée est apparue. Je me suis empressé de l'éclater parce qu'il lui restait plus de vie. J'étais là genre en mode stress. Wow, je l'ai éclaté. Une pile. Même pas de cœur. Donc je m'étais dit, ah mince, ça va pas être la bonne. Et bien finalement si, voilà. Robot Cornio m'approche. Donc deux essais pour Robot Cornio, c'est cool. Regarde-moi, regarde-moi. Oui, bah alors, lions-nous d'amitié si tu veux. Et... C'est tout, ça s'arrête là. Lui, il a pas de phrase d'accroche ni rien. Ok, pas de souci. Donc, eh bien, il est ajouté au médaillon et il en reste plus que deux, hein. On est d'accord, il en reste pas trois, hein. Mais alors, c'est qui l'autre robot? Ah bah, c'est Robonian. C'est Robonian, celui qui est entre Robonian F et robot Coma, je sais plus lequel c'est. Bip bip. Ok, bon, on sait qui tu es. Bon, alors nous, par contre, eh bien, il va falloir retourner à Place de la Fortune parce qu'après, il faut aller, je crois, au Parc du Temple. Eh bien, les amis, on arrive aux chutes Indigo. Donc, en fait, il y a un yokai juste avant au Parc du Temple, mais j'ai fait ne pas m'arrêter. Hein, comme je faisais que de faire bébé, bébé, bébé pour que ça aille plus vite. Et finalement, bah voilà, j'ai loupé le bouton. C'est pas grave. Donc, on va d'abord s'occuper de celui qui est aux chutes Indigo, qui est, si je le crois bien, mon robot yokai préféré. Je l'aime beaucoup, lui. Et c'est... Le voilà, Robonoko. Je l'ai dans Weeble Wobble. Bon, pour l'instant, on peut l'avoir que dans la version japonaise et américaine. Et encore, c'était temporaire, donc on peut plus maintenant. Mais voilà, dans la version française, il n'y est pas encore. Oh, il y a des petits cœurs qui volent derrière, trop bien. Bip, bip. Détection d'un visiteur.
Engager la séquence de combat. Eh bien oui, allez, c'est parti. Bip, c'est l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait là? Bon, j'en sais rien. Bref, en tout cas, les amis, c'est parti. Oh, pourquoi il faisait ça là? Il m'a fait peur, l'autre. Bon, qu'est-ce qu'il aime? Attendez, qu'est-ce qu'il aime, notre... Oh bah, il flâne, il commence déjà le combat par flâner. Bah écoutez, tant mieux. Ça tombe très bien pour nous, ça. On dirait qu'il veut devenir notre ami là. Allez. Donc, Robonoko, il aime les hamburgers, c'est vrai. Donc on va lui envoyer un burger miam, c'est le meilleur hamburger du jeu, petit. J'espère que tu vas l'aimer. Donc qu'est-ce que je fais là? Non, c'est pas ça que je veux faire. Bon, alors, faut savoir par contre que Robonoko, c'est un soigneur. Donc comme c'est un soigneur, il va certainement être un peu dangereux. Enfin, pas dangereux, mais... Oh! Dommage, j'ai cru que ça allait être les cœurs. Bon, ok, pas grave. Mais oui, donc... C'est un soigneur, non, je crois, mais je le vois pas se soigner là. Mais si c'est un soigneur, ça va être un peu embêtant parce que. Bah, ça n'a pas l'air d'être un soigneur en fait, donc bien écoutez, les amis, pas grave. Pour le moment, le combat va tranquillement. Par contre, j'aime pas ces éboulements, ça fait beaucoup de dégâts là. Vas-y, tornade, c'est bon! Les amis, on a quand même beaucoup de chance, il a flâné le début, on lui a donné ses nourritures préférées, on a eu un double XP. Allez, faut qu'on devienne amis du premier coup, s'il vous plaît. Allez, petit Noko, petit robot Noko. Allez! Eh bien non. Bon, pas de chance. Bip. Ok, il est très bavard en tout cas, Robonoko. Ah mince! Il devient mon ami, mais c'est pas trop le combat pour lequel je voulais parce que Pastelian est mort. Vous allez me dire, ça va faire que pour le dernier des UK, le combat va durer plus longtemps. Donc on aura plus de chances qu'il flâne. Bref, en tout cas, les amis, voilà, je suis content quand même d'être ami avec Robonoko. Troisième essai ou quatrième, je sais plus. En tout cas, ça va. Oh non, tu m'as trouvé! Bah oui, on t'avait déjà trouvé, hein. Je sais pas comment t'as fait pour pas le voir, mais bon. Robonoko! Ok, d'accord. Alors par contre, je viens de penser à un truc, mais en fait, Robonoko, il est que rang B, hein. Je sais qu'il est que rang B parce que dans Wibble Wobble, il est rang B, donc peut-être que les autres aussi sont que rang B. Je me suis imaginé dans ma tête que c'était des rangs S, mais peut-être pas, hein. Peut-être pas. Ah ouais. Bon, on va faire le point à la fin de l'épisode. On va regarder tous les petits robots. Donc là, on va pas vers Ossivan. Nous, il faut qu'on aille à l'île, qu'on aille vers Place de la Fortune et qu'on s'arrête à Parc du Temple. Eh bien, les amis, j'arrive au Parc du Temple. Je sais pas si vous remarquez, mais j'arrive dans l'autre sens parce que bah oui, hein, j'ai encore dit ne pas s'arrêter. Ça m'arrive tout le temps. Mais bon, occupons-nous du dernier yokai que j'aime pas trop personnellement. Mais bon, voilà, il est là, hein, donc tant qu'à faire. Autant le faire, hein, comme ça. De toute façon, il faut compléter notre médaillon. Donc, bon, écoutez, les amis, je sauvegarde. Ah, et Pastelian est mort. Mais en fait, Pastelian, c'est vrai qu'à la fin du combat, il a gagné ses vies. Donc, on va lui redonner à manger. Ah, ouais, c'est tout. Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, allez, vas-y. Bébé, recharge d'énergie terminée. Super. 15 minutes jusqu'à la prochaine recharge. 14 minutes jusqu'à la prochaine recharge. Un combat? Oui. Et qu'est-ce qui se passe si genre on attend 15 minutes, genre je pose la DS et je m'en vais, j'attends 15 minutes. Bah rien du tout, hein. Robot Papetti. Ouah, compliqué comme nom. Donc lui, je pense que vous le savez, hein, il aime le riz à la creux. Non. Oui, c'est là. Il aime le riz à la crevette, c'est son plat préféré. Donc eh bien voilà, nous maintenant, il suffit juste d'attendre de voir si on devient son ami ou pas. Le riz, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Hausse de la défense, d'accord, ça c'est pas grave. Je pensais que ça allait être un soigneur parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un soigneur parmi les robots, mais en fait, j'en vois pas. Ou alors peut-être que je l'ai tué avant qu'il ait pu se soigner ou quoi que ce soit. Ok, il flamme déjà, ça c'est très bien. Allez, donc, oui, ah voilà. Ok, plus de chances de devenir l'ami, et maintenant... Ah, c'est lui le soigneur, d'accord, mais ça va, il se soigne pas énormément. Ok, c'est cool. Bon, par contre, est-ce qu'on va avoir une bulle? J'aimerais tellement avoir la bulle dorée avec les cœurs, je l'ai quasiment jamais eu depuis le début du jeu. Hein. Quasiment. C'est chaud. Allez. Ouais, non, mais... Ah ouais, non, mais... Ok, il regagne quand même pas mal de vie, hein. Pour le moment, c'est pas grave qu'il regagne des vies, parce que si le combat peut durer plus longtemps et que la bulle arrive, tant mieux, mais... Ah, parce qu'en fait, il y a que Robonian F qui lui fait des dégâts. Pastelian, il lui fait 20 points de dégâts, quoi. Ah, ah. Allez. Ok, la pile. Bon, bah, écoutez, les amis, tant pis, c'est pas grave. Je pense qu'on va envoyer ces Yokaïla à l'avant. Maintenant, on y va, tranquillement. Pas tranquillement, non, pas tranquillement, maintenant on va très vite, allez-y. Vas-y, trip tic tac, c'est bon. En plus, on n'a pas vu son âme ultime, tant mieux, je pense qu'elle nous aurait fait pas mal de dégâts. Il y a un Bouddha derrière encore, mais c'est super stylé ces stations. J'aime beaucoup les décors. Enfin, ça fait très Japon, mais j'aime beaucoup. Oh, bien, il augmente en fin de niveau, et...
Eh bien non, non, non. Jamais du premier coup en tout cas. Bébé, batterie faible. Oups, mon réservoir est bientôt vide. Activation du mode veille d'urgence. Bon, ok, réessayons. Oh, les amis, c'était le deuxième essai. Bon, bien, tant mieux, robot papetite approche. Si je reste avec toi, tu pourras me donner à manger? Bah non, 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 parce que je vais juste te laisser dans mon médaillon et jamais servir de toi. Robot papetite. C'est tout, d'accord, donc il y en a deux qui ont rien d'autre à dire que bah leur nom. Ok, pourquoi pas. Eh bien voilà les amis, on a pas tous les robots. Il nous manque un robot, mais le dernier robot c'est Robonian et on l'a pas avec les QR codes. Il me semble qu'on peut l'avoir au Bingo Kai et il y a peut-être d'autres moyens, mais je le connais pas, c'est pas grave. Bon bah écoutez les amis, je pense que voilà, on est arrivé à la fin, on a réussi à voir tous les yokai de cette vidéo, c'est quand même pas mal, les 6 yokai. J'avais jamais fait comme ceci d'avoir 6 yokai dans une vidéo, mais on y est arrivé à bout, c'est cool. Bon, alors, il faut quand même voir que... Attendez, donc lui c'est un rang A, A, B, 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 d'accord, et lui c'est un rang A, on le sait. Donc, ce cap-à-cap mécanique vient du futur, un anneau de titane indestructible lui protège le crâne. Il augmente la force pendant que la jauge d'âme se remplit, d'accord, donc ils ont tous le même talent, ok. Ce commassin de mécanique vient du futur, il a toujours autant hors de la ville, mais maintenant il doit aussi gérer sa batterie. Oh, quelle horreur! Donc maintenant, il avait déjà peur de la ville, mais en plus de ça, maintenant il doit gérer sa batterie, c'est horrible. Oh. Donc ce noco mécanique du futur a le pouvoir de se fondre dans le décor, évitant de se faire repérer, c'est un caméléon quoi. Ce cornio mécanique vient du futur, il n'a désormais plus la moindre trace d'humanité en lui. Wow. Ce gros beau grand papetit vient du futur, même sous cette forme, il a toujours un très grand appétit. Ce robot draconé a un corps d'acier, il n'a pas envie d'être Sir Dragon, mais il est sacrément fort. Ok, ok, eh bien les amis, on va en rester là pour cette vidéo, alors quand même, ça fait 2 heures que je suis en train de tourner cette vidéo, je crois que j'ai jamais tourné une vidéo de Yo-Kai Watch aussi longue. Quoique peut-être, parce que dans Yo-Kai Watch 1, il y avait eu un épisode où j'avais galéré, vous savez, où j'essayais d'avoir l'oiseau, là, pour essayer d'avoir un légendaire, j'avais galéré aussi 1h30, 2 heures, je sais plus, bref. En tout cas, voilà, bon, enfin, c'est rare, mais ça arrive. Donc, eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, hein. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus, hein. Quand même, 2 heures de tournage, j'espère que j'ai pas fait ça pour rien, non mais en tout cas, dans tous les cas, je sais que la plupart d'entre vous, j'ai quand même vous aider à voir ces yokai là. Peut-être même que certains d'entre vous ne connaissaient même pas leur existence, j'ai dit 3 fois même dans la même phrase, et puis je viens de le redire encore une fois, donc 4 ou 5, je ne sais plus, ça fait quand même beaucoup, hein. 6e. Bon, bref, les amis, en tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel est votre robot yokai préféré, n'hésitez pas aussi à dire si vous avez galéré à les avoir ou pas. Moi, il y en a quelques-uns quand même qui m'ont pris 10 essais, hein, mais les derniers, ils m'ont pris 2 essais. Bon, bah, écoutez, tant mieux. En tout cas, les amis, on se retrouve eh bien très bientôt pour un nouvel épisode de Yo-Kai Watch, bien mercredi, pour l'épisode final. Donc, eh bien, j'espère que ça vous plaira, j'espère que cet épisode vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, les amis. Salut!